Fan David Golf, bonjour. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Bienvenue dans cette vidéo news de la semaine 45. Mm-hmm. Une semaine dans laquelle vous aurez à nouveau un test club. Oui. Puis ensuite, la poursuite de notre série Vaincre le Slice. Et un épisode cette semaine, voilà, qui sera le numéro 3. Alors dis-moi, mon cher Quentin, pour ce qui concerne le matériel, qu'est-ce qu'on teste cette semaine? On teste une nouveauté dont on est très content d'avoir essayé. Très. Puisque justement, il y a une avancée technologique qui nous tient vraiment à cœur, puisqu'on est des grands fans de titane. Et là, Callao a sorti le TI Fusion. L'Apex TI Fusion. L'Apex TI Fusion, l'aboutissement des Apex. Donc, c'est une face en titane sur un châssis en acier 1020. Exactement. Oh. Alors ça nous fait plaisir. Ah, très plaisir, puisqu'on était justement, on se demandait quand est-ce que ça arrivait, puisqu'on n'est pas très fan de carbone dans les têtes de club. On est bien d'accord. Mais par contre, pour les shafts, c'est un autre domaine. Hein, voilà, mais là, tête de club, face de club, titane, corps acier, ça nous intéresse beaucoup. Et ensuite donc, l'épisode 3 de Vaincre le Slice. Alors, il est consacré à quoi cet épisode? Eh bien, au travail de la face de club. Voilà. Après avoir étudié la posture d'une façon générale et l'alignement, nous avons dans l'épisode numéro 2 travaillé le plan de swing, hein, qui est un des éléments carrément essentiels. Enfin, ils sont tous, de toute façon, carrément essentiels. Hein, oui, voilà. Il n'y a pas le choix. Et donc, le troisième, c'est le travail de la face de club. Comment travaille-t-elle? Comment doit-elle travailler? Et les moyens pour y arriver? Voilà. Eh bien, je crois que ce sera le programme qui vous attend cette semaine. Hein, et donc, nous vous souhaitons de bonnes vidéos. De bons visionnages. Hein, et puis, bien sûr, on vous dit également bon golf à vous.